Bonjour à tous, alors on est de retour pour la deuxième partie de ce Splatfest barbare contre ninja. Oh, sérieux. Bien joué. Déjà, c'est mieux repeint que la dernière fois. Et fuit. Ah. Sérieux? Franchement, Jack, tu fais aucun effort là. T'aurais pu me tuer 40 fois. Putain, il lag comme un sagouin. Me prendre. Il y a quelqu'un là ou quoi, Gervais? Il y a quelqu'un là. Ouais. Adossé contre une barrière, il scrute la ville, le regard fermé. À l'affût des gens ordinaires, ils jugent, condamnent sans même plus y penser. La T'es politesse et les sérieux? manières, Trouve-toi un boulot. sans passer. Car cet été comme hiver, qu'ils jouent au Bon, je crois que commun je du vais me quartier. spécialiser là-dedans, là, parce que. Il a l'air de se foutre de tout et de bien le montrer. Oh là là. Et on a Shadow GK, lombardaire et qui t'avais qu'à espère être abonné à ma pas le chaîne. rencontrer. Ça, c'est Le bien. monde est déjà pas tout rond, Ça, c'est on n'a bien. pas envie d'avoir le moral miné. Haha, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Voilà, on a vu. Quartier. Va voir ailleurs si j'y suis
toi qui as confondu Texas et puis Paris. J'en ai pas l'air comme ça, mais je défie en duel les inconscients tout droit sortis de leur western. Bang bang. Kraken. Kraken sauvage apparaît. Ouf. La mine sombre, il compte les secondes pour donc. Fini, oui. D'un rodéo en métro. Ah. Il expire, bouillonne si aucun autre jeune homme sur ses terres s'abandonne. Il met de côté les états d'âme, on ne balie pas avec l'espace vital. Des transis, pas l'incommoder, mais se faire tout petit aux côtés d'un cow-boy des quartiers. Alors, va voir ailleurs si j'y suis. Toi qui as confondu Texas et puis Paris. Ouais, j'en ai pas. On se barre, on se barre. Ça, mais je défie en duel les inconscients tout droit sortis de leur western. Bang bang. Ah! Je fuis tel un lâche. Bien joué, copain. Il se venge. Donc là, on est dans un vrai barbare versus ninja. On reconnaît bien le rouge. Oula. Ce barbare-là, on va le... Haha. Combat de Kraken. Hey, c'est moi qui gagne. C'est un peu mon double maléfique, quoi. Il a la même arme que moi, il a fait à peu près le même trajet que moi, sauf que lui il a décidé d'aller dans le coin ennemi. Et il est là, il est là-bas. Ah. Ouais, là j'ai eu un peu peur, je pensais qu'il allait m'avoir et du coup j'ai fait de la merde. Enfin, j'ai déclenché mon Kraken n'importe comment, quoi. Ça arrive, hein. On n'est pas là pour... Enfin voilà, on s'en fout, quoi. Ok. Ok, Matt, très bien. Tu veux la jouer comme ça, bah joue-la comme ça, hein. Je peux pas t'empêcher. Il a son Kraken près. Mais il est peut-être mort. Parce que je crois qu'il se coupe tout seul. Ah merde. J'aurais dû le. Enfin j'aurais pu l'avoir si j'avais repéré avant qu'il était là. Mais j'avais pas bien regardé. Mmh. Ouais bah je suis là effectivement. Mais attends, mais vous êtes sérieux à pas mourir d'un coup là?
Depuis quand on a le droit de faire ça, franchement. Les mecs. Allez, viens. Bon. C'est équitable. Surtout que on a l'avantage, donc moi à la limite je m'en fous quoi. Ah si quand même. Ah mais ça lag, c'est dingue. J'ai pas l'habitude. Je te défends, panda. Ah, panda 10-3, il s'est bien débrouillé. Hein. Ah! Milou! Milou, il est en face de moi. Enfin, Milou. Milouche. Je pense qu'il a écrit juste Milou parce qu'il avait pas de place dans son pseudo. Mais... Du coup, s'il me tue, je pense qu'il va faire des. Il va danser de joie. En plus, il est bon, donc faut voir, moi je me méfie. Et voilà, c'est lui. Bon, si tu regardes cette vidéo, sache que j'ai pris plaisir à te tuer. Mais bon, je suis sûr que tu vas prendre ta revanche. Bon, ton pote l'aura fait. Je te vois là, tu le penses. C'est rigolo. Attends, mais ça lag comme un... Ouais, comme je sais pas, mais ça lag fort en tout cas. Yaha! Il faut se méfier dans cette map parce que quand on fait du spawn kill, en fait, il y a quand même un chemin qui permet de s'échapper. Ah mince. Je pensais l'avoir. C'était à la seconde près et il m'a eu. Bien joué, Marco. Bon, ça va être mon dernier match de ce Splatfest parce que je suis à 97 sur 99 pour atteindre en maître. Du coup, quelle que soit l'issue de ce match, que je gagne ou que je perde, à partir du moment où je fais assez de points, je sais plus si c'est 200 ou 400, mais
200 ou 400 points, c'est assez facile avec l'arme que j'ai. Du coup, c'est mon dernier match. Et on va essayer quand même de le gagner. Même si les équipes que je rencontre, que j'ai rencontrées dernièrement étaient assez bonnes. Hein, Ah. Il s'enfuyait. Tout le monde se TP sur moi là au lieu d'aller au centre. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. C'est un intérêt d'aller dans l'équipe ennemie, mais si tout le monde est là. Ouais. Du coup, ils se barrent. Ils retournent tous au centre. Bon, bah, ça me permet de repeindre, hein, moi, du coup. Sérieux là? Putain, les mecs, faut se reprendre là. On peut perdre sur une défaite, ok, on peut, mais c'est un peu dommage. Oui. Je crois que les mecs qui sont avec moi là sont pas. Ils sont pas dedans quoi. Bon. Et moi j'ai jamais d'encre, je sais pas pourquoi j'ai jamais d'encre, je lance trop de bombes je crois. Trop de grenades. Là là, mais ils s'enfuient tous. On peut même jamais les tuer quoi. Par contre, eux. Oh là là là. Bon, ils jouent clairement mieux que nous là. Là, notre équipe. C'est moi ou les autres ou tout le monde, mais on fait de la merde. Bon, c'est une défaite, je pense, mais c'est pas grave. Le tout, c'est de passer rang maître. Bon, c'était un ninja contre ninja, donc ça donne pas de points barbares, mais bon, c'est toujours dommage de finir sur une défaite. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!